Yo les gens, alors on se retrouve pour voir la fin alternative de Death Come True. Voilà, donc on va prendre le choix alternatif qui est de rester dans le monde de la réalité virtuelle avec notre dulciné. もしかしたら、幸村あかねたちの記憶をもとに仮想世界が広がっているのかもね。だとしても、僕だったら絶対に出ない。もうじき、この仮想世界と外の世界は完全に遮断される。ここは君たち二人の楽園だ。じゃあ、さようなら。 自分の意思で残ったんだ。それに君はここにいるじゃないか。でもこんな牢獄みたいな世界で。だったら出てみないか。外の世界にさ。 Picture, the sacro cat post a picture.
Bon, bah, elle était pas si mal cette fée alternative du coup. Donc ils ont choisi de rester dans le monde virtuel et bon, je m'attendais quelque chose de. Quand ils allaient ouvrir la porte, je m'attendais quelque chose de plus sombre. Donc au final, la phrase de la quand le pirate il a prévenu, n'allez pas dehors, on ne sait pas ce qu'il y a. Bon, cette phrase-là aurait pu déclencher peut-être une suite, quelque chose comme ça, je sais pas. Malheureusement, non. Écoutez, ben voilà, c'est tout pour cette vidéo qui est assez courte. Donc j'espère que vous avez aimé le jeu. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment dessus. Si vous avez raté, si vous avez vu cette vidéo en premier, vous retrouverez l'intégralité du jeu complet, la partie qu'on a faite qui dure à peu près 1 heure et quelques sur la chaîne YouTube Reno Gaming Crew. Allez, salut, je vous laisse ici. À trouve.